Bonjour les loulous, bonjour Nolan, bonjour Nathan. Et on est où là? On est à Marineland. À Marineland. On va au lagoon, vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais été. On va vous mettre l'adresse dans la description, c'est à Antibes. Ouais. Et regarde. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Ah, il y a le panneau avec les dauphins, ouais. Donc on est sur le parking et on va rentrer dans Marineland et ensuite on rentrera dans une deuxième partie du Marineland qui s'appelle le Lagoon où c'est une plage privée, vous allez voir c'est assez sympa. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Là on vient de faire connaissance avec deux personnages et direction au lagoon. Deux personnages, mais lesquels Nathan, montre-nous. Ah, c'est une pieuvre et une orque qui nous ont accueillis. On a fait déjà la photo de groupe. Nolan est impressionné par l'orque. Allez, on se dirige vers le lagon maintenant. Non, au lagoon. Au lagoon. C'est par là? Allez, c'est par là. C'est derrière les orques. Tu sais, il faut monter aux orques et après reprendre l'escalier pour redescendre. Allez. Tu te souviens? Sur le côté à droite. Alors, on connaît bien Marineland pour la simple et bonne raison qu'on habite à côté d'Antibes. On habite exactement à Mandeguil, à Napoule. Et ah, Nathan a perdu sa chaussure. Et que du coup, comme Nathan et Nolan sont archi fans des dauphins et des orques, eh bien, on a eu l'occasion d'acheter des passes annuelles, puisqu'on y vient quasiment à toutes les vacances. Et du coup, j'avoue que Marineland, pendant les vacances, quand on est là, c'est un peu notre deuxième maison. On a l'habitude d'y venir au moins une fois, voire deux fois dans les vacances, puisque les parcs Marineland sont constitués de quatre parcs, dont trois qui sont ouverts à l'année. Donc on a le parc Marineland dans lequel on se trouve, on a le parc Kids Island constitué d'une petite ferme en fait, avec des attractions pour les, on va dire pour les plus petits, jusqu'à 12 ans. Et ensuite, on a le parc Aquasplash qui n'est ouvert que l'été, donc c'est des toboggans. Et pour finir, on a le parc Adventure Golf qui lui est ouvert toute l'année. Dans le parc Marineland, il y a donc le lagoon. Le lagoon, c'est une plage privée. Vous allez voir, on vous laisse la surprise, je vous en dis pas plus. Là, un jardin. Allez, avance, Nathan. Là, on a un petit jardin, on peut faire une pied, voilà. Derrière, on non, a... Non, tu dis des bêtises, à Marineland, il est formellement interdit de pique-niquer. Ah oui, c'est vrai. Si tu amènes un pique-nique, il faut que tu ressortes, il y a des tables de pique-nique sur le parking à l'extérieur. Derrière, un restaurant, comme vous avez vu quand on est passé, il y a les hôtels de Marineland. Oui, maintenant, depuis quelques années, ils ont construit des hôtels pour faire des séjours. Pouvoir profiter des quatre parcs et dans un des hôtels il y a un restaurant qui s'appelle le Red Hippo qui est plutôt sympathique quand on aime la viande est plutôt de bonne qualité. Si vous venez de Lyon ou de Paris comme Fanny Néo, pour ceux qui connaissent Fanny Néo, bah évidemment qu'ils connaissent, ils connaissent tous. Bah, Fanny Néo c'est les youtubeurs les plus connus de France donc tout le monde les connaît. Il y a Goutagar. Ils ont dormi là-bas. C'était un super séjour pour eux. Donc, pour ceux qui n'habitent pas à Antibes ou à Mandeville, à Napoule, allez-y, vraiment allez-y. Après, ça coûte un certain prix, hein, comme à chaque fois qu'on va dans ce genre de parc d'attraction. Il faut l'entretenir, tout ça, il faut s'occuper des animaux, hein, ça coûte de l'argent, donc effectivement, les entrées sont pas données. Et ce qu'on a, c'est un aucun placement de produit. Hein. Je le dis. Ça, c'est pas un placement de produit. Non, on fait des choses juste pour s'amuser. Je cherche pas à faire de la publicité. On l'a acheté à Decathlon. Ah bah, on dit qu'on place pas les produits, tu dis la marque toi. T'es bête ou quoi?
Alors là, on arrive aux Orques. Et pour aller, il faut descendre. Donc on prend le côté sur le côté. Il y a des escaliers. Alors bien entendu, il y a une passerelle. Il y a une passerelle pour les poussettes. Mais nous, on n'a pas besoin parce qu'on a un grand maintenant. On a deux grands, donc on peut prendre les escaliers. On va essayer de ne pas se casser la figure. Et là, on arrive dans, à l'envers du parc. Vous voyez, on voit toutes les grosses machines. On est derrière le bassin des Orques, qui est un bassin. Et nous y voilà. Nous sommes au Lagoon. Alors, voici l'entrée. Et puis, on vous retrouve à l'intérieur. Vous allez voir, c'est super. De loin, vous pouvez observer la volière où il y a plein d'oiseaux. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, on va à la piscine. Donc, on vient de manger. Ouais, on était au Lagoon donc. Au Lagoon, ils ont une formule buffet à volonté avec grillade et buffet d'entrée, buffet de dessert. Et il y a aussi des plats. Ouais, donc grillade poisson, viande, légumes, pâtes, tout ce qu'il faut, frites évidemment. Donc là, on est déjà allé à la piscine. Donc, alors, on s'est changé dans les vestiaires qui sont là-bas. Voilà, attendez, je vous montre. Voilà les petites cabanes que vous voyez au fond. Ici, c'est le self avec tous les menus jusqu'à 15h. Ici, c'est la plage paradisiaque avec le sable blanc et les parasols. Bonjour. Vous voulez qu'on aille prendre le tunnel? Il y a le tunnel là. Alors, je ne sais pas où il mène ce tunnel. On passe au-dessus de la piscine, je crois. Alors, ça va me permettre de vous montrer, voilà, c'est une piscine qui est séparée par un plexiglas et dans l'autre bassin, c'est les dauphins en fait. Et donc, il y a les dauphins qui viennent vous voir à la vitre. C'est assez sympa parce qu'ils sont assez preneurs. Là, on en voit un d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, qui est au contact des gens. Voilà, il y en a un qui arrive parce qu'il cherche vraiment le contact avec les humains. Ici, dans ce bassin-là, de l'autre côté, c'est les tortues. Hein, je ne sais pas si on les voit, les tortues, là. Si on a les tortues, on va vous amener... Et là-bas, au fond, vous voyez des jets d'eau. Alors, normalement, ce serait un bassin avec des raies. Alors, pour l'instant, ils les ont pas mises. J'espère qu'ils les mettront bientôt. Voilà. Alors là, la tortue... Ah, voilà, vous avez une tortue qui en approche, là. Vous voyez, il y a juste un plexiglas entre les deux, donc la jeune fille, elle communique avec la tortue. Donc, voilà. Peut-être qu'on va vous emmener avec nous dans la piscine, je ne sais pas si ce sera avec maman, ça. Je ne sais pas si mon téléphone va réussir à supporter l'eau de la piscine. Il est censé pouvoir, mais comme depuis, vous m'avez cassé la vitre, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Mais tu le soulèves en dehors de l'eau, comme ça. Bon, ben, en attendant, vous avez fait faire un petit tour du lagoon, c'était super. Les enfants avaient tellement faim qu'on n'a pas pu filmer le buffet parce qu'ils étaient trop pressés de manger. On va à la piscine, vous venez? Mais maintenant, on va à la piscine. Vous venez avec nous? Allez, go! Alors, je vais tenter de filmer les dauphins. Il y avait deux jeunes garçons qui les appelaient. Du coup, ils étaient contre la vitre tout à l'heure. Et là, ils sont repartis. Du coup, les dauphins ont été voir ailleurs. Tiens, Nathan, est-ce que tu peux essayer d'aller appeler les dauphins, voir s'ils viennent là-bas? Allez, go, allô. Nolan, t'as pas tes brassards, chérie, toi. Il faut que t'attendes d'avoir les brassards. Tiens, il y a un dauphin là-bas, regarde. Il y a un dauphin, je sais pas si vous le voyez. Voilà, dès qu'il y a des gens, ils reviennent en fait. Hein. Ils sont assez demandeurs. Et donc, en dessous, c'est une vitre en plexiglas, donc on peut tout à fait les voir, leur faire des gestes. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'amusait à les éclabousser. Ce qui n'est pas recommandé parce que l'eau de la piscine n'est pas adaptée pour les dauphins, évidemment, parce que eux, c'est de l'eau de mer. Mais le dauphin, ça l'amusait énormément. Il essayait de faire pareil, c'était rigolo. Ils sont tout là-bas, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Bon, ben voilà, notre petit tour. Alors là, je vous fais un panoramique de Marineland. Ce que vous voyez là, c'est le bassin des Orques, donc avec les gradins.
sont immenses, parce que forcément une orque c'est énorme. Donc il y a besoin d'énormément de place, évidemment. Voilà. Voilà, il y a le dauphin qui s'approche là, on le voit. Voilà. Eh bien, on vous souhaite de venir ici un jour à Marineland, c'est merveilleux. Et au lagon, c'est encore plus merveilleux. Et à très bientôt sur Figa Academy. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas les pouces bleus.